Dariane était en train de jouer avec sa fille Bella, comme elle le fait souvent. C'est alors que sa fille avait une tache sombre dans la bouche, qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Après avoir essayé en vain de laver la tache délicatement, la mère a conduit sa fille aux urgences. Elle était paniquée et craignait le pire. « J'avais peur parce que je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Toutes sortes de pensées me traversèrent la tête. J'ai pensé que c'était peut-être un champignon ou s'il avait mangé quelque chose qui avait taché son palais. Je n'avais aucune idée, dit Dariane. Il n'a fallu que 30 minutes entre le moment où la tache a été découverte et l'arrivée de la mère aux urgences avec sa fille. L'infirmière qui les a reçus a également admis qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Aux urgences, ils ont insisté pendant longtemps sur le fait que ce devait être une sorte de tache de naissance. Mais la mère a insisté sur le fait que ce n'était pas le cas. Ensuite, l'infirmière a décidé d'examiner à nouveau la tache étrange dans le palais. L'infirmière a commencé à se gratter. Et quelque chose de très spécial est sorti de sa bouche. C'était un morceau de carton. Le petit morceau de carton provenait d'une boîte que la petite Bella avait mâchée et était restée coincée dans son palais. La mère a raconté l'épisode embarrassant sur Facebook dans un post qui est immédiatement devenu viral. Elle a expliqué entre autres « Je ne pourrai plus jamais montrer mon visage au médecin. J'ai ri et pleuré pendant 5 bonnes minutes de pure horreur. » Heureusement, il n'y avait aucun problème avec la petite Bella qui n'a plus de morceaux de carton dans son palais. La mère vient également avec une invitation à tous les parents. Suivez toujours votre instinct quand il s'agit de vos enfants et assurez-vous de rire quand il s'avère que tout va bien dans le meilleur des mondes. Cela peut arriver à n'importe qui, même lorsque vous avez le bébé à vos côtés. Heureusement, ce n'était rien et mieux vaut prévenir que guérir.